Hallelujah. Amen. Give a round of applause to the Lord Jesus Christ. One more round. It is an honor and a privilege. C'est un honneur et un privilège to stand before you today. Et de me tenir devant vous aujourd'hui. Once more. Une fois de plus. Not as a son. Non pas comme un autre enfant. Brother. Frère. Friend. Ami. Simply as a servant of God. Seulement comme un serviteur de Dieu. Amen. Amen. Mon Dieu vous bénit, que Dieu vous bénisse, pasteur, pour la parole. I don't know how I'm going to top that. Je ne sais pas comment je pourrais parler plus faire mieux que vous. But the Lord and the Spirit will lead me. Mais Dieu avec son esprit va me guider. Amen. For those that weren't here last night, we talked about when we got asked the question. Pour ceux qui étaient ici hier, on a parlé de la question qui nous a été posée. Whom shall I send? Qui je vais envoyer? We read this in the book of Isaiah chapter 6. On avait lu dans le livre d'Isaïe chapitre 6. 1 till 8. 1 jusqu'au 8. And as the pastor pinpointed on this, God revealed to himself to prophet Isaiah. Et comme le pasteur venait de dire, Dieu s'était révélé lui-même dans le prophète Isaïe. And he heard a voice, the Lord's voice, ask him. Il avait écouté la voix, il a entendu la voix de l'Éternel pour lui poser la question. Whom shall I send? Qui je vais envoyer? And the prophet Isaiah said, here I am. Et le prophète avait dit, je suis là. Send me. Envoie-moi. Send me. Envoie-moi. But before he did that, avant qu'il fasse ça, he looked at himself as being unworthy. Et il s'était vu comme il n'était pas digne de le faire. Unclean. Il n'était pas propre. Because he was within the middle. Et parce qu'il était au milieu of people who were unclean themselves. Au milieu de gens qui n'étaient pas propres devant Dieu eux-mêmes. So he knew God. Il savait qui Dieu était. But not like that, like Pastor said. Et il ne connaissait pas vraiment Dieu de la façon dont and il devait le connaître, comme Pastor venait de le dire. When he saw the true God, quand il a vu le vrai Dieu, he felt unclean. Et il s'était senti sale. It's like you and I today. C'est comme toi et moi aujourd'hui. We are Christians. On est chrétiens. We know God. On connaît Dieu. But our surroundings. Mais les gens autour de nous are not the same as what the scriptures are telling us to be. Et ils ne sont pas de même comme la Bible nous demande qu'on ait ces gens-là tout autour de nous. As Pastor Sai was talking about the millennials, I'm not a millennial, I'm a generation X. Quand on parle de passé, on parle de millénaire, je ne suis pas d'appeler le millénaire, je suis de la génération X. And I know my generation. Et je sais que ma génération. The way we think. Et je sais comment on réfléchit. We look at everything else around us. On regarde toutes choses autour de nous. To measure success. Et pour mesurer notre succès. As children of Christ. Et comme enfants de Dieu, our success comes from here. Et notre succès vient de la Bible. Christ is our success. Jésus est notre succès. When the question was asked, whom shall I send? Et quand la question était posée, qui je dois envoyer? When Isaiah said, Lord, send me. Quand Isaïe dit, Dieu envoie-moi. After seeing the true God. Après avoir vu le vrai Dieu. After hearing the Lord's voice. Après avoir entendu la parole de Dieu. He decided to be used as that. Il a décidé d'être utilisé par rapport à ce qu'il a vu. Just like you and I right now. C'est comme toi et moi aujourd'hui. We hear the voice. On entend la voix. We hear the word. On entend la parole. Are we going to accept the calling? Est-ce qu'on va accepter l'appel? Amen. Amen. Because we can't look at our condition. On ne peut pas regarder nos conditions. And place it in front of Christ. Et mettre ça devant Jésus. And say, well. Oh, et dire, I can serve you, but my friends don't really understand why. Je peux bien te servir, mais mes amis ne vont pas comprendre pourquoi je le fais. I can serve you because je peux pas te servir parce que I'm not comfortable. Je suis pas confortable. So we started creating thoughts in our head. On commence à créer des pensées dans nos têtes. Of reasons why you can't serve God. Sur les raisons pourquoi on peut pas servir Dieu. We also read last night in Isaiah 55. On a aussi lu sur Isaïe 55. Verse 8. Verset 8. The Lord says, Dieu dit,
For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my way. Et mes pensées ne sont pas tes pensées, mes voies ne sont pas tes voies. Because the Lord's thought for you, et les pensées de Dieu pour toi, is for greatness. C'est pour sa grandeur. It's for greatness. C'est pour sa grandeur. So don't look at your condition. Ne regarde pas ta condition. Saying because my friends or my peers won't understand. Parce que mes amis et mes tous ceux qui sont autour de moi ne vont pas comprendre. That I'm not able to serve God. Que je ne suis pas en mesure de servir Dieu. Amen. Amen. You are a young adult. Tu es un jeune adulte. Young adult. Jeune adulte. You're going into the world. Tu vas dans le monde where you see things are not according to the scriptures. Et tu vois les choses qui ne sont pas selon les écritures. Whether you have siblings behind you or not. Même si tu as des frères derrière toi ou pas. Who are younger than you? Qui sont jeunes plus que toi? They're supposed to look up to you. Et doivent te suivre ton exemple. How do they look up to you when they see that things are in the world and you are also in that world as well? Et quand ils vont, comment peuvent-ils suivre ton exemple quand tu vois les choses qui sont faites dans le monde, ce sont les mêmes choses que tu es en train de faire toi-même. But you call yourself a Christian. Et tu t'appelles toi-même chrétien. Do you call yourself a Christian? Tu t'appelles toi-même chrétien. But you're doing everything the world is telling you. Et tu es en train de faire ce que le monde te demande de faire. And you're ignoring the Lord's voice. Et tu es en train d'ignorer la voix de l'Éternel. And you're ignoring the Lord's call. Et tu es en train d'ignorer l'appel de l'Éternel. We're going to look at Jeremy. We're going to read, on va voir Jeremy. Chapter 1. Chapitre 1. Verse 1 to 9. Pastor, can you read? Verset 1 to 9. Once more, that's Jeremiah. Jeremy. Chapter 1. Chapitre 1. 1 to 9. 1 jusqu'à 9. Can we read? Yes, sir. The word of Jeremiah, son of Hilkiah, of the priests that were in Anathoth, land of Benjamin, to whom the word of the Lord came in the days of Josiah, the son of Ammon, king of Judah, in the 13th year of his reign. It came also in the days of Jehoiakim, the son of Josiah, king of Judah, unto the end of the 11th year of Zedekiah, son of Josiah, king of Judah, unto the carrying away of Jerusalem captive in the fifth month. And the word of the Lord came to me, saying, before I formed thee in the belly, I knew thee. Before you came forth out of the womb, I sanctified you, and I ordained you as a prophet unto the nations. And then say I, Lord God, behold, I cannot speak, for I am a child. But the Lord said unto me, saying, say not, I am a child. You shall go to all that I shall send you. Whatever I command you, you shall speak. Be not afraid of their faces, for I am with you to deliver you, said the Lord. Then the Lord put forth his hands and touched my mouth. And the Lord said to me, behold, I have put my words in your mouth. See, I have this day set you over the nations and over the kingdoms to root out and to pull down and to destroy and to throw down and to build and to plant. Moreover, the word of the Lord came to me saying, I think it was a 10. That was it. Yeah. Thank you. May God bless you. Can Pastor read us the French version from verse 4 till 6. La parole du Seigneur Jésus-Christ. Jérémie, le prophète, chapitre 1, à partir du verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur, Éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel.
Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Amen. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. 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 So as we saw, we heard it. The prophet Jeremiah. Comme on a vu, on a entendu le prophète Jérémie. Like prophet Isaiah. Comme le prophète Isaïe. Heard the voice of the Lord. Avait écouté la voix de l'Éternel. Just like you and I hearing the voice of the Lord. C'est la même façon qu'on entend la voix de l'Éternel maintenant. The scriptures that was read are now read by the pastors. And les écritures qui viennent d'être lues aujourd'hui ne sont pas n'ont pas été écrites par le pasteur. It's Christ speaking to you. C'est Jésus parler entre vous pour vous. In verse 6, verset 6, as God was trying to tell Jeremiah, et quand Dieu voulait parler à Jérémie, what great things He's going to do for him. Et la grandeur des choses qu'il fera pour lui. And Jeremiah said, "Well, that's good and all, but." Et Jérémie lui répondit, c'est ça, c'est bien. But I can't do that. Mais je ne peux pas faire ça. Because I am a child. Je suis encore un petit enfant. What do you think that was? Oh, qu'est-ce qu'on pense que c'était quoi ça? God is telling you all those great things He has prepared for et you. Et Dieu t'a dit toutes ces bonnes choses qu'il a préparées pour toi. You have to serve Him because those great things are already there for you to receive. Et il faut que tu travailles pour lui pour recevoir toutes ces choses. But you're giving Him a condition that you are a child. Et tu lui donnes une condition pour dire que tu n'es encore qu'un enfant. Or today's society's condition is, I'm too tired. Et aujourd'hui, les gens disent que je suis fatigué. I don't have the time. Je n'ai pas le temps. I don't know how. Je ne sais pas comment. God said, don't say that you are a child. Et Dieu lui dit, ne dis pas que tu es un enfant. Don't give God an excuse or a condition. Et ne donne pas une excuse ou une condition à Dieu. Because He said, before I formed you, avant que je ne t'ai créé, I knew you. Je sais que tu étais. Que tu es. Before you came out of your mother's womb, avant de sortir du ventre de ta mère, I sanctified you. I sanctified. Et je t'ai sanctifié. I ordained you. Et je t'ai ordonné to be a prophet unto the nation. Et d'être prophète de la nation. We are being selected because God is calling us for this moment. Et on est sélectionné parce que Dieu nous appelle à ce moment-ci. We are chosen. The pastor said, "Those who are chosen choose to go." Et on est comme le pasteur veut dire, ceux qui ont choisi de partir. We will do great things in the Lord's name. Et on fera de merveilles, grandes choses dans le nom de Jésus. So who shall I send? Qui je vais envoyer? Should be responded to, Lord, send me. Et la personne doit répondre à Dieu pour dire moi. All the young adults in this place right now. Tous les jeunes adultes dans ce lieu maintenant. Should respond, Lord, send me. Et peuvent dire Dieu envoie-moi. Because you cannot look at your surroundings. Et tu peux pas regarder les gens autour de toi. To get a confirmation. Pour avoir une confirmation. To get an approval. Pour avoir approval. I'm sorry, the word just went. The word just went off my mind. I'm sorry. An approval to serve your God. Pour avoir l'acceptance de servir Dieu. Amen. 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 We need to not be like the world. On n'a pas être comme le monde. We need to follow Christ. On va suivre Jésus. Because if we do all the things that the Lord wants us to do, et si on fait les choses que Dieu veut qu'on fasse, we will see His promise within us. Et on va voir ses promesses en nous. I don't know what your problems are right now in your life. Je ne sais pas quel genre de problème tu as dans ta vie. I'm telling you, if you're chasing after the world, si tu cours après la parole de Dieu, all those things, toutes ces choses, will come heavier and heavier. Et devenant Dieu, ça va s'endurcir. But if you turn your face towards God, et si tu tournes ton visage vers Dieu, and start serving Him, et commence à le servir, those problems, ces problèmes, will seem pointless. Et c'est là où les choses s'endurcissent. Et tu n'auras pas de puissance sur toi. Amen. Because it says in Proverbs 23, verse 26. Et c'est écrit dans Proverbe 23, 26. My son, mon enfant, give me thine heart. Donne-moi ton cœur. Let thine eyes. Laisse tes yeux. Observe my ways.
voir mes voies. My ways. Mes voies. Not the world's way. C'est non pas selon le monde. The Lord's way. Dieu, la façon de Dieu. It is a great thing to be a child of God. Et c'est une grande chose d'être un enfant de Dieu. But it's a blessing to be a servant of God. Tu seras dans des situations for his glory and his glory alone. Pour sa gloire et sa gloire lui-même. So his name can be manifested not only through you, et donc que sa voix et que son nom puissent être manifestés non pas seulement dans toi, but into the nations, the communities, the cities, the church, the homes, and your family. Amen. 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 In 1 Peter it says, and Pierre Saint-Louis, chapter 4, and Pierre 7, verse 16. Then it says, if any man suffer as a Christian, si une personne est en train de souffrir en tant que chrétien, let him not be ashamed. Ne le laisse pas se sentir gêné. But let him glorify God on this behalf. Mais qu'il glorifie Dieu. De la part de sa souffrance. We belong to Jesus Christ. On appartient à Jésus. We are not generation X, we're generation Christ. Know the Lord's word. He's using you. Il t'utilise to bring forth his message de partager sa parole, to deliver somebody else who was held captive. De délivrer quelqu'un d'autre qui était captif. Like we said last night, so don't be selfish to hold back that Lord's calling. Et comme on disait, ne sois pas égoïste de garder l'appel de Dieu. Because you don't want to serve because you don't feel like parce it. Parce que tu ne veux pas les servir parce que tu n'as pas envie de le faire. Because once you do that, the devil wins. Et parce que quand tu gardes ça en toi, les démons gagnent. Because the young generations are going to a misguided direction. Et parce que la nouvelle génération est en train d'être mal guidée. Going the opposite direction of Christ. Ils vont dans la direction opposée de Christ. Instead of planting their feet firm and standing up. Au lieu de se mettre debout et se battre pour Dieu. And then other people start to suffer because God was trying to use you to help them. Et quand d'autres personnes sont en train de souffrir parce que l'appel de Dieu, tu ne réponds pas à cet appel. Amen. Amen. If God is calling you today, si Dieu t'appelle aujourd'hui, what's keeping you from going? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller? Ask yourself that. Pose-toi la question. Is it family? C'est la famille? Wife? Ta femme? Kids? Les enfants? Money? L'argent? For time. Ou le temps? Matthew 4. Matthieu 4. 18 to 20. 18 à 20. It says this. Ça nous dit, and Jesus walking by the Sea of Galilee. Jésus marchait vers la mer de Galilée. Saw two brethren. Et il voyait deux frères. Simon called Peter. Simon appelé Pierre. Andrew his brother. André son frère. Casting a net into the sea. Et en train de jeter un filet dans l'eau. Because they were fishermen. Parce qu'ils étaient pêcheurs. And he said to them. Il leur dit. Follow me. Suivez-moi. I will make you. Je ferai de vous. Fishers of men. Pêcheurs de hommes. And they straight away. Et directement. Let their nets. Jeter leur filet. Followed him. Et aller vers lui. Amen. Without asking the questions. Sans poser une question. Without looking at their conditions. Ne regardons pas leurs conditions. Because Peter was married and had kids. Pierre était marié, il avait des enfants. He didn't go home and tell them, hey, honey, there was a guy by the sea today. And, il était pas laissé de parler, hey, chérie, il y avait un homme. This random guy. À l'océan, cet homme que je ne connais pas. Wanted me to go be a fisherman of men. Il voulait que je devienne un pêcheur d'homme. She would have told him, oh, it's all these bills and these kids are going to feed themselves. Et la femme aurait dit, tous ces enfants ici, c'est toi qui vont les voir, ils vont se perdre eux-mêmes. Didn't ask God who are you or why should I? Il n'avait pas posé la question à Dieu pour dire tu es qui? Rien du tout. They just followed.
Et ils l'ont juste suivi. And it goes on to give another example further on. If you read that chapter, it says there was other two men. Et il a donné un autre exemple vers le bas qui dit qu'il y avait deux hommes. James and John. James, Jacques et Jean. They were brothers. Ils étaient aussi frères. They were working on a ship with their dad. Et ils travaillaient avec leur papa. He told them the same thing. And not only did they leave the ship, but they left their dad as well too. Et ils n'ont pas seulement qu'ils ont laissé leur bateau, mais ils ont laissé leur papa également. Because they saw that my Lord is calling me, so I shall go. Mon Dieu est en train de m'appeler et je dois partir. At that moment, they say, you know what? He's calling because he needs me to do something, so I'm going to go. Et à ce moment-là, ils étaient dit, il veut de moi, donc je dois partir. So it should be the same thing with you. C'est donc ce que je sais. Qui je dois envoyer? It should be you. Et c'est toi. You should say, tu dois dire, okay, I'm going to go. Okay, je pars. Use me. Utilise-moi. Let me be the vessel. Laisse-moi être la base. Well, let me be an instrument. Laisse-moi être l'instrument of your greatness of your ministry. Et de la grandeur de ton ministère. Amen. Yeah. In Jeremiah 1, Jeremie 1, 9, 9, and it says, then the Lord put his hand on his, well, yeah, the Lord put forth his hand and touched his mouth. Et la Bible dit, Dieu imposa sa main et toucha sa bouche. And said, et dit, behold, voici. I have put my words into thy mouth. J'ai mis ma main sur ta bouche. So you can't say you don't know what to talk about. Tu peux pas dire que tu ne sais pas de quoi parler. Because God is going to put his words into your mouth. Parce que Dieu va mettre sa parole dans ta bouche. Et on était en train de préparer cet événement pour un mois déjà. I kid you not, the amount of scriptures that I read, la grandeur ou le nombre de écritures que j'ai lues, I couldn't fit it all within 2 days. Et il n'y avait pas moyen de mettre tout, de combiner tout pour 2 jours. So when we fasted, I told God, mais quand on a jeûné, j'ai demandé à Dieu, what should I tell them? Qu'est-ce que je dois dire à ton peuple? Because you said, who should I send? Parce que tu as dit, qui je dois envoyer? I said, here I am. Et j'ai dit, me voici. Now let your greatness be manifested. Et la manifestée. Amen. Amen. We all know the story of Samuel. On connaît tous l'histoire de Samuel. The pastor Pinpoint Money was a server of God. Comme le pasteur avait dit, il était un serviteur de Dieu. Went on to do great things. Et qui est allé faire de merveilles, de grandes choses. 1 Samuel chapter 12, verse 24. 1 Samuel 12, verset 24. It goes on to tell this. Et ça nous dit, only fear the Lord. Crains seulement l'Éternel. And serve him in truth. Serve-le dans la vérité. With all your heart. Avec tout ton cœur. For consider how great things he has done for you. Pour le merveille de grandes choses qu'il a fait pour toi. If you say you're a Christian, it's not a moment in the day. Si you don't look back and say, God, chrétien, thank you. Y a pas, tu peux pas avoir un moment dans une journée sans dire merci mon Dieu. If you do not glorify Christ or thank him for what he's giving you, the trees will. Si tu ne sais pas glorifier Dieu pour le merveille qu'il a fait pour toi. The stones will. Le pierre le ferment également. You have to look at the greatness of what God has done for you in your life. Tu dois voir la grandeur des choses que Dieu a fait pour toi dans sa vie. And serve him truly. Et le servir en vérité. With all your heart. Avec tout ton cœur. You can't be a Christian. Tu peux pas être chrétien. Call yourself a Christian. T'appeler toi-même chrétien. Be into the world. Et rentrer dans le monde. The same thing the world is defining you to be. Et être la même chose que le monde t'appelle à être. You're a Christian, but the world said, "Are you a liar?" So therefore, you are a liar. Et tu es chrétien, mais le monde t'appelle menteur. You're a Christian, but the world said you're not serious, so they're gonna say your person's a joke. Et tu es chrétien, mais le monde dit que tu n'es pas sérieux dans le monde des gens. Because you're doing those things that the world is saying for you that you are, so therefore you become those things. Parce que tu es en train de faire ce que le monde est en train de faire, donc ils pensent que tu es le leur. But if you serve God with all your heart, et quand tu travailles avec tout ton cœur, in a truthful way, et dans la vérité, you will not be what the world says you will be, who God says you are. Tu ne seras pas ce que le monde dit que tu es, mais tu seras ce que Dieu est en train de dire que tu es. Who shall I send? Qui dois-je envoyer? Don't be afraid. N'aie pas peur of their faces.
de leur visage. I will deliver you. Je vais te délivrer. So if Peter said, Lord send me as you're going. Et quand tu dis c'est moi, et au moment où tu es en train de partir, don't be afraid. Il faut pas avoir peur. Say, God, I'm going, so lead me. Me voici, je m'en vais et guide mes pas. If they were to ask you why are you a believer, si quelqu'un peut te poser la question de savoir pourquoi tu es croyant, why do you worship God, pourquoi tu célèbres, pourquoi tu sers Dieu, just say because He has made me part of His great ministries. Why shouldn't I worship Him? Parce qu'il m'a fait partie de ses ministères. Pourquoi je ne veux pas le glorifier? He has revealed Himself to me. Il s'est révélé en moi. To me. En moi. A simple person from a small village, but He has made me who I am today. Une simple personne d'un petit village, il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. My siblings are here with me, and sometimes when my father sits down and tells us when he was back, on the old days. Avec mes frères et sœurs, mais le fait quand mon père me parle d'où il vient, it's like from a small village, d'un petit village. To hear United States. D'ici aux États-Unis. If it's not the greatness of the Lord's mercy upon his life, et si ce n'est pas la gloire de Dieu à sa miséricorde, we will not be here. On n'est pas ici aujourd'hui. On n'est pas ici à cause de Christ. We're here because of Christ has given him the ability to do that. Si le jeune croyant s'est donné à Dieu, you can also go back and tell your children and your children's children. Tu peux aller dire à tes enfants, aux enfants de tes enfants, that God has done so many great things for your grandfather and grandma. You don't know. Liberated me when I was held captive. Because as long as you're living as the world, aussi longtemps que tu vis comme Dieu, not the world, aussi longtemps que tu vis selon le monde, if you call yourself a Christian or not, si tu t'appelles toi-même chrétien ou pas, you are still captive. Et tu es toujours captif. You're living as the world. Parce que tu es en train de vivre comme le monde. If you remove yourself from the world, si tu te retranches du monde, you become a Christian. Tu deviens un chrétien. Like the scripture asking for you, comme les écritures le demandent, you will see great things. Tu verras la grandeur de Dieu. And to close, pour finir, this is a verse that I read, and as I was reading this, I don't know how I was going to tie it with all of this. Et ça c'est un verset que je lisais. Quand je lisais, je ne sais pas comment j'allais mettre ça en communion avec tout ce que je venais de dire. So the Holy Spirit said to say this. Et l'Esprit Saint m'a demandé de dire ça. It's in Isaiah, Ephesians. C'est dans l'Éphésiens. Chapter 1. Chapitre 1. 17. 17. I want everybody to read this. If we can all be at the same page. Ephesians 1. Ephésiens 1. 17. 17. Amen. Amen. So as I read this, we can all stand up and read it. We can all say on peut se mettre debout pour lire le verset de la Bible. I'm going to read it, but you all can read along, but I'm going to say and read it. And this is my sincere prayer and thoughts to all the young believers. Ça, c'est ma prière et ma pensée pour le jeune croyant. Because when I read this, I immediately thought of my younger folks. Et quand j'ai lu ça, directement j'ai pensé de mes jeunes frères. And I say that the God of our Lord Jesus Christ, le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, the Father of glory, le Dieu de gloire, may give unto you, peut vous donner, the spirit of wisdom, l'esprit de sagesse, revelation in the knowledge of him, la révélation de le comprendre, the eyes of understanding, et les yeux de le comprendre, being enlightened, vous soit donné, that you may know what is the hope of his calling, pour que vous voyez l'appel qu'il, l'espoir de l'appel qu'il a,
And what is, and what the richness of his glory of his inheritance to the saints. Et voir la richesse de sa gloire et à l'héritage de saints. So I truly pray that God gives you these things. Et je demande que Dieu vous donne ces choses. Because it's not just for you to be here and listen to it, but it's also a great thing when you listen to it and it happens to you. Et ce n'est pas que vous soyez juste ici de l'entendre, mais de l'entendre et que ça s'accomplisse dans vos vies. Amen. Amen. May the Lord's word and grace be with you. Amen.